Bonjour tout le monde, Isa du 33. J'espère que tout le monde va bien. Alors je profite aujourd'hui, il ne fait pas très très chaud. C'est un gros haul hein, de action et nose, et peut-être folie cosmétique. En fait, je me souviens plus trop parce que c'est des trucs que j'avais fait. Comme je ne pouvais pas faire de petits hauls à chaque fois, j'ai dit je vais tout garder, vous le faire en une seule fois. Donc voilà, j'ai tout renversé sur la table, donc je ne sais pas, on va y aller mollo. Alors, on va commencer par action. J'ai pris, chose que j'avais parlé avec Karine, donc un shampoing à la kératine. Écoutez, il a l'air pas mal. Je vais voir, parce que j'ai quand même mes cheveux qui sont, là j'ai mis mes extensions, mais j'ai mes cheveux qui sont quand même pas mal abîmés. Donc on va voir. Là je trouve sympa, j'ai mis de l'huile de jojoba. Je verrai. Vous savez, de toute façon, finalement, si on réfléchit, toutes les huiles vont dessus, quelque part. Si on réfléchit. J'en suis à me poser la question, finalement, enfin, en tous les cas. Donc ce qui va dans la salle d'eau, on va le mettre dans la poche là. Donc j'ai pris le shampoing, évidemment. L'après-shampoing, hein, mesdames. Je vais vous donner le prix. Attendez, ce qu'il y aura là dans la salle d'eau, on va le mettre là. Hein. Alors, le shampoing, voilà. Tinaninia. Non, merde, c'est pas celui-là. C'est pas ce tiki. Bon, c'est pas grave. Il est, si je me souviens bien, je crois que c'est dans les 2 balles. Mais allez vérifier, parce que là, vraiment, j'ai pas le ticket. Je veux pas dire de bêtises. Je crois qu'il est bien dans les 2 euros quand même. Hein. J'ai pris cette petite lingette. Vous savez, je vous en avais déjà parlé. C'est une lingette qui coûte quand même 60 centimes. Ça fait un peu cher pour une lingette. Le truc de cette lingette, je vais vous expliquer. Moi, je la coupe en 4. Allez, je vais vous montrer. Hein. En direct live. J'espère que vous avez le temps. Parce que vous mangez le temps. Hein. Donc, ce sera un haul de papotage et un peu de tout finalement. Vive-moi. Voilà, bon, je la coupe en 4, regarde. Et alors, c'est super pour les binocles. Je vous promets, les filles, il me tardait d'aller l'acheter, cette lingette. Parce que ça vous nettoie les binocles en 3 temps, 3 mouvements. Et zou! On retrouve nos yeux. Attendez, hop, voilà. On retrouve nos yeux. Bon, alors ça, c'est génial. Donc, pourquoi en 4? Mais parce que c'est trop grand. Et comme vous me connaissez, je me trimballe partout. Avec, je la fous dans ma boîte, donc forcément, ça se crados. Pour Fabrice, 1,29 €. Alors, c'est celles qui sont tout en bas des rayons, forcément. Celles en haut sont à 1,60, 69, un truc comme ça. J'en ai pris 4. Et alors, comme je vous ai déjà dit, le fa, là, ça embaume toute la baraque, quoi. C'est vraiment génial, ce... Donc, j'ai pris... Volcano Force, Amazonia Spirit, Esprit, et Brazilian pour la nuit, Night. N'importe quoi, mais bon. L'autre, il s'en est déjà servi. Hein. Je crois que Action, ben voilà, hein. Tout le reste, ça va être... Ah non. J'ai pris des épingles à linge, puisque bon, les beaux jours arrivent, je sais pas vous, mais alors moi... Elle se casse assez vite. Alors, j'ai pris 2 sortes. Ah, j'ai pas prévu la poubelle. Mais si, on va faire ça. Si, j'ai trouvé la poubelle. Donc, celle-ci, pas tout à fait 1 euro. Hein. Et celle-ci, pareil, hein, pas tout à fait 1 euro, hein, les filles. Voilà. Alors, celle-ci, me semble. C'est pour ça que j'ai. Je sais pas si c'est pas celle-ci qui pète très vite fait. Je me rappelle pas. J'en ai plein. Je les fous dans un broc, tu sais. Pour étendre le linge, c'est parfait. Ah, attends, c'est quoi ça? C'est le ticket de quoi? Ah, je vérifie voir à Noz. Bon, mais toujours, j'ai pris des sockets 1,19 €. Ben, j'en prends régulièrement parce que ben, je les perds aussi régulièrement. Elles font la malle, les miennes. Je sais pas, elles doivent pas se perdre à la maison. Mais enfin, bon, j'en ai quand je pars chez le kiné. Ça, c'est génial. Ça, c'est génial. Ça va là-bas. J'ai dit dans la chambre. Enfin, la chambre, la pièce à bordel. Ça reste ici. Donc, vous savez que je fais mon bullet journal, on va dire ça comme ça,
en tentant de faire des, je dis bien tentant, vous avez bien entendu, de faire des économies de tout ce qui est nose et action et folie cosmétique. Donc je vous ai expliqué, hein, j'ai un budget, le budget il est là, il fait le mois. Quand il n'y en a plus, ben, il n'y en a plus, il n'y est plus, donc il n'y a plus d'eau. C'est une espèce d'agenda, mais bon, je crois que je vous l'ai déjà montré, hein. Il est, alors, évidemment, celui que j'avais, c'était un vieux. Et celui-là, il démarre effectivement en 2000, voilà, 2000, 2022, 2023. Ben oui, je suis connu en 2022. Elle est bête, Isa, ou quoi? Donc, ça démarre à partir de août. Donc, moi, je vais quand même finir le mien que j'ai là, parce que ce serait complètement dommage. J'en avais déjà fait un. Donc, j'ai pris celui-là que je commencerai ben, en août. Hein. Je ne vais pas, voilà, on va pas, je vais pas jeter celui-là. Et puis, de toute façon, il commence en août et on est en mai. Oh là là, j'ai du mal aujourd'hui. Je punaise. Quelle horreur, cette fille. Donc, les épinglades, les amis, il est dans les 2 euros. J'ai pris ce rouge aux lèvres. Hein. Évidemment, je n'ai pas nécessairement besoin, mais tu vois, j'ai pris celui-là, je trouve la couleur sympathique. Ah, il y a toujours un truc à l'écran, et moi, si je vous vois pas, on va l'ouvrir ensemble. C'est les derniers, les codes sont barrés, hein, je vous le dis. Poubelle. C'est quoi ça? Alors, attends, je m'en rappelais même plus. Hein. Vous vous rendez compte? Ah, la poche, elle était là. Tu vois, il fait ça. Eh bien, moi, j'aime bien. On va se mettre. Hein. Après tout. Alors, j'ai pas dormi beaucoup de nuits. Je vais au lit. Je tente une sieste. Et tu sais, dans les petits villages, il faut que tu tondes à partir de 15h. Mais apparemment, ce n'est pas tout le monde parce qu'à 14h, il est en train de tondre le voisin. Donc, je vais légèrement lui signaler quand il viendra me voir et qu'il trouvera que je fais un petit peu trop de bruit, tu vois. Je lui dirai, dis donc, mon tout petit, quand toi, tu t'es mis à tondre à 14h. donc, ça, c'est Noz. Ça, c'est Noz. J'ai pris le numéro 8 que j'avais pas. Mais je vais quand même vérifier, parce que c'est mignon, ces petits trucs, hein. Celui que j'ai, celui que j'ai pas. Alors attention, baume à lèvres, pas vraiment baume à lèvres, gommage à lèvres. Parce qu'il y a des petites billes dedans, enfin, des petits morceaux dedans. Enfin, dans le rose, c'est ce qu'il y a en tous les cas. Celui-là, je vais te dire, ouais, pareil. Ils sont des petites billes. Par contre, ils sentent vraiment le pamplemousse. Ils sont géniaux, hein, ces petits... rouge aux lèvres. Tu vois, deux en un. C'est bien écrit, hein. Tu en mets, mais en même temps, il te machine les lèvres, là. Et donc, j'ai pris donc, le numéro 8 que j'avais pas et le numéro 7. Vous savez que dans mon nose, dans mon action, il n'y a pas tout. Hein. Alors, le 8, le 7, c'est au citron. J'adore le citron. Et celui-là, il est à la pastèque. Vous avez, je crois, enfin, vous avez différents fruits et franchement, ça le fait. Ça le fait vraiment. Je pense que nous avons fini tout ce. Ah non. J'ai oublié de vous montrer. Oh, ben dis donc, aujourd'hui, hein. Il est joli, hein, ce vert. Mais alors, je veux du jaune. Il n'y a pas de jaune. Oui, je fais constamment mes ongles. Et là, je veux du jaune. Bref. Il n'y a pas de jaune. Donc ça n'a rien à voir. Je ne sais pas ce que ça fait là. Mais... les trucs qui sont tombés. Et je les garde. Donc, nous avons fini le. Alors, comme d'habitude, hein, je suis très très organisé. Vous pouvez le constater. Bon, j'ai bon un coup. Oups. Évidemment, je m'en fous partout. Bref. Je m'étais mis de la. Ça, je ne comprends pas qu'est-ce que je fais avec ça par contre. Je me fais les ongles. Qu'est-ce que j'ai été prendre ça? C'est complètement con. La couleur qui me plaisait, je ne sais pas. Ça, c'est Action. Non, allez, là-bas. Je pense qu'Action, les filles, j'ai fini. Si je retrouve dans mon petit bazar des trucs d'Action, ben, je vous le dirai. Nous allons passer à Noz. Alors, à Noz, comme vous le savez, j'y vais
pas non plus tous les jours, mais waouh, quand j'y vais, bah, je défonce tout. Hein. Voilà. Donc, ils ont eu un arrivage effectivement de make-up, mais oh, moi le make-up à Noz, je le paye 50 centimes, 70 centimes, 1 euro, 2 euros, mais certainement pas 7 euros, 7 euros. Le crayon, le machin, le truc. Alors, ok, c'est peut-être une marque, hein, mais faut pas déconner, quoi. J'aime le make-up, hein, je vous avoue, j'en ai partout, voilà, c'est vraiment, c'est du grand n'importe quoi. Mais je ne paierai pas les trucs 7 balles, pas à Noz, pas à Noz. Si je vais à Yves Rocher, à la limite, j'en suis consciente. Si je vais à Sephora, Kiko, tout ça, je suis consciente des tarifs et je saurai, je vais le payer cher. Je n'y vais pas dans ces magasins. J'y allais jadis, je n'y vais plus. Je vois pourquoi j'irai acheter un fond de teint à Yves Rocher à 15 balles. Il peut être bio, machin, tout ça. Alors que je peux avoir la même chose à 2 balles, voire peut-être aller un peu moins à Noz, quoi. Voire Action. Faut réfléchir 2 secondes, quand même. Parce que c'est pas parce que c'est plus cher que c'est mieux. Au contraire. J'ai vu même une émission là-dessus où ça craint du boudin. Enfin, bon, bref. Alors, j'ai pris un primer, les filles, à 1,20 €. Alors, je vais le tester. Hein, je ne connais pas du tout. On va tester. Je ne connais pas. Je ne sais pas. Celui de Action, il est sympa. Par contre, le finisseur, là, le pipchit pour la fin, il n'est pas sans sas. Franchement, ça tient pas. En plus, avec ces grosses chaleurs, je pensais que ça allait me tenir le maquillage. Non. Ça ne le tient pas des masses, quoi. C'est dommage. Alors, donc voilà. Donc, j'ai trouvé ce fameux fond de teint. Alors, c'est la marque Maybelline. Oui, d'accord. D'accord. Il est quand même à 7 balles. Et moi, j'ai les boules. Parce que quand il est passé en caisse, moi, je n'avais pas vu. Vous savez, j'y vois pas. Donc, j'avais vu 0,99 centimes. Pour moi, c'était normal. Et heureusement que je n'ai pas pris la gamme. Mais j'en avais pour 50 euros de maquillage. Non, j'aurais tout rendu. Donc, Maybelline, les filles. Très, très cher. Faites super gaffe aux tarifs. Enfin, moi, je suis très déçu. J'ai trouvé les stickers comme ça. Ouais, vous allez me dire, mais moi j'aime bien. Donc c'est des 3D à tester sur les ongles. Ça peut être sympathique. Bon écoutez, 75 centimes. Je ne vais pas pleurer. Hop, ça va avec les ongles. Mais là, ah si. Pour 1,99 €, il y a celle-ci. Alors moi, c'est vrai que je suis dans les tons de ou rose pastel. Ou marron. Le reste ne me va pas avec mes yeux verts là. Me va pas. Ce qui est dommage parce que j'adore ça. Je trouve ça très joli, toutes ces couleurs là. Mais bon, voilà. Je me sers essentiellement de nude, de marron, rose. Je mets un peu de violet des fois, ça dépend. Moi, j'arrive pas à l'ouvrir, les filles. Ah si, ça y est. Tu vois? Mais moi, j'aime beaucoup toutes ces couleurs. C'est tout à fait moi, tu vois. T'as tout ce qu'il faut là. C'est tout à fait moi. Avec le petit crayon. Et cette palette coûte 2 euros. 1,99 €. 2 euros. Donc ça va là-bas. Ensuite, vous savez que je suis un peu ésotérique, etc. Donc j'ai trouvé ça. Je sais pas si tu vois. Il est génial. J'adore. J'adore. J'aime beaucoup. Donc c'est la lune 2022. Donc forcément, nous avons passé le mois de janvier. Mais bon, tu peux faire des cadres avec, tu peux. Voilà, franchement, oh, ça, moi j'adore les. J'en ai partout des serres dans la maison. J'en ai 20. Là-bas, tu en as 2. Ici, tu en as 1, ça fait 3, 4, 5, 6, 7. Il y en a partout. J'adore les serres. Ça, je vais me le mettre en image. Non, franchement, il est magnifique ce truc, vraiment. Par contre, très épais, hein. 3,50 €. Ça va aller là. Parce que je vais m'en servir au bureau. Ça va là-bas. Après, je me suis pris du rasoul doré. C'est pour tout ce qui est peau sèche, terne et abîmée. Donc, je vais regarder un petit peu. Comment cela fonctionne?
parce que je n'y connais absolument rien. Alors c'est de l'argile, donc je suppute que ça consomme comme l'argile verte à laquelle je me fais des bains de pied. Je remplis un broc, je mets de l'eau tiède, pas trop chaude parce que j'ai fait la rétention, tu sais, d'eau. Et dedans, je mets de l'argile verte. Ça nettoie, ça désinfecte, ça fait tout, hein. Donc si t'es comme Olin, Paco, si t'es comme moi, que tu fais, tu sais, des crevasses aux pieds, c'est parfait. Donc ça, je suppute qu'à la douche, tu dois certainement faire comme un genre de masque. Mais si quelqu'un sait, ben, qu'elle me le dise. Sinon, je vais bien trouver ça sur Internet. Je vous ai dit le prix de 2 balles. Hein. Ça ne vient pas de là. J'ai repris donc des capsules, comme il en restait, parce que ça coûte cher, ça. 1 balle, ça. Mais quand tu sais, tu les prends. Ça fait cher, oh, ça, les boîtes. Après, voilà, j'en ai toujours d'avance, j'en ai toujours. Donc, j'ai repris ça, parce que voilà, moi, tout ça, c'est mon. J'ai pris, je vais vous montrer après les bijoux que j'ai pu trouver, parce que vous savez que je suis très bijoux. Alors, j'ai trouvé celui-ci. Alors, il est pailleté. Hein. Où est-ce que je peux vous le mettre ici? Alors, ça, c'est les jolis. Alors, c'est con parce que tu vois pas les paillettes. Mais il est pailleté 1 balle. Non, pas 1 balle, même pas 50 centimes. À Noz, hein, les filles. Il est joli. Il irait bien sûr. Ah, tu vois, je vais faire les deux tout à l'heure. Le truc qu'on l'a mis là-bas. Ouh, je vais me faire mal. Voilà. Ensuite, alors, eh bien, écoutez, il va nous rester les bijoux. Puisque ça ne vient pas du tout de là-bas. Ça non plus. C'est quoi ce truc? Ah oui, c'est Folie Cosmétique. Ça, je vous le fais après. Ça va là. Il faut pas tout mélanger. Je me suis trouvé un petit sac. J'adore. Regarde. C'est tout à fait mouillé. Et dedans, ben, j'y mettrai. Vous savez, comme j'aime bien, moi, avoir les sacs comme ça. Et non, comme ça, je supporte pas cela. Puis te gêne finalement, tu peux rien faire avec des sacs à main sur l'épaule. Qu'est-ce que tu peux pas y faire? Donc moi, quand je vais faire les courses, je vais jamais faire les courses. C'est très très rare où je fais les courses. Je fais des drives. Mais quand je vais me balader dans les magasins ou voilà, tu vois, eh bien, j'ai les mains libres. Je fais ce que je veux, quoi, tu vois. Ça, c'est sur mon bidon ou j'ai un gros bidon, ça le cache un peu. Et j'ai ça, et c'est génial, donc je vais m'en servir. Je vous ai dit le prix, je ne m'en rappelle pas. Mais je ne m'en rappelle pas. Dans les 3 ou 4 euros, pas plus cher. Et apparemment, d'après Belouchette, donc je vous invite d'ailleurs à aller voir sa chaîne, qui est très gentille. Je vous mettrai le lien. Elle fait des hauls, elle fait pas mal de choses, elle aussi. Et ils en ont, mais il faut voir. Des beaux. Comme moi, je n'y vais plus. Ça va me passer comme ça. Il faut même de nouveaux make-up apparemment sympathiques. Mais bon, c'est comme ça. Mon budget, je l'ai explosé. Donc, je ne suis pas prêt d'y retourner. Bref, on va passer aux bijoux. Là aussi, je l'ai vu sur le hall de Belouchette. Regardez-moi ça. Alors, il coûte 50 centimes. Que dalle. Ah, c'est joli. Alors, j'ai pris le cadenas. Alors attendez, il faut qu'on fasse les choses bien pour 50 centimes. J'ai pris. Mais c'est super bon. Regardez ça si elle est belle. Après, les goûts et les couleurs, hein, les filles. Hein. Moi, j'aime, tout simplement. Et j'aime beaucoup. Parce que sachez qu'une clé, ça représente certaines choses. L'ouverture d'esprit, l'ouverture de machin. Et voilà. Et d'ailleurs, elle va aller sur la Zaza de suite. Alors ça. Bon, tu vois pas, mais c'est super joli. Ça, donc on a dit. La poubelle, c'est quoi? C'est là. Hein. Ben, celui-là, ben, j'ai merdé, parce qu'apparemment j'en ai pris deux. Ben, écoutez, quand je ferai un concours sur YouTube, sur Facebook. Tiens, j'ai pris celui-ci. Je le trouve joli, mais vous allez pas aimer. Hein. Bon, moi j'aime. Il y avait aussi un petit chat.
Ben moi, le petit chat, je ne l'ai pas trouvé. Toujours, ils sont tous à 50 centimes, mesdames. Il n'y a rien de... Sinon, je vous le dirai. J'ai pris... Je suis pas tapou. Je ne veux pas. Je vais le voir. Alors, attends. J'aurais aimé quand même le défaire. Seulement, c'est les longueurs. Il faut que ce soit long. Si c'est pas long, ça me convient pas. Donc, tu vois, celui-là, je le mettrai peut-être à la place du cadenas en double. Ouais, tout à fait. Que j'ai pris. Hein. Regarde. Il est juste super joli, sérieux. Vous savez, ça me fait penser à un gland. Enfin. Excusez-moi pour les chiens. Oh, laisse. Et on se bat. Il est vraiment superbe. La matière et tout, enfin, ça m'a l'air d'être du gaillard quand même, tu vois. Donc ça, c'est sympathique. J'ai pris une... Suivant comment tu t'habilles, ça peut être sympatoche. J'adore. Moi, je kiffe tous ces trucs. Si vous saviez le nombre de... Alors, je suis très collier, très bracelet. Et bague, bien sûr. Par contre, pas boucle d'oreille. C'est rigolo, hein. Parce que moi, j'aurais aimé des boucles d'oreilles à clip. Mais apparemment, ça ne se fait plus. J'ai des trous, hein. J'ai 3 trous ici et 2 trous là. Mais je ne sais pas pourquoi. Parce qu'il faut peut-être les enlever tous les soirs, les remettre, machin, les trucs, je ne sais pas. Je n'ai pas boucle d'oreilles. Alors, toutes les boucles d'oreilles que j'avais, ben, je crois que j'ai tout donné. J'en ai plus, aucune. Ou alors, ça doit être des merdasses par là, je sais pas. Mais moi, ce que j'aime, c'est celle à clip. Mais comme je vous ai dit, à clip, tu ne trouves plus. Tu ne trouves pas. Alors, en fait, ce qu'il faudrait, c'est que je trouve des clips et que je me les fasse moi-même. Mais bon, bah, tu sais, hein. T'attends, hein. Alors, j'ai pris aussi celui-ci. Pourquoi? Parce que je le trouve rigolo, c'est un petit dé. Donc là, pareil, c'est assez court. Donc, je pense que je lui changerai de chaîne. J'aime pas les colliers courts. Tu vois, c'est des rats de cou, j'aime pas les rats de cou. Bon, déjà parce que j'ai le jabot et ça, tu peux le faire à part l'opération. Parce que même si je maigris, j'aurai toujours le jabot. Et non, tu vois, c'est pas le truc que je kiffe. Je peux le mettre en bracelet, limite, tu vois. Mais bon, j'ai pas. Voilà. J'aime que le pendentif, finalement. Donc je verrai. Je verrai ce que je ferai avec. Oui, parce que vous savez que je détruis, je reconstruis. Voilà. Ainsi que. Et bien la pomme. Mais la pomme de qui ? De Blanche-Neige. La pomme noire. Voilà, les filles. Bon, c'est un rôle qui est assez long. Oui, je suis un peu débile. Mais bon, j'assume. Ah non, j'ai oublié de vous montrer le... Bon, je vais vous le montrer. Mais... Folie cosmétique, tu sais, moi... J'y suis allé, tu sais, pour les limes, là. Je n'ai plus de limes. Et donc, la lime, ben, je m'en suis servi. Très cher, 2 balles. Une lime. À ongles. Mais bon, c'est vrai qu'il n'y a que celles-là qui font... Quand tu fais tes ongles en gel, il faut quand même une bonne lime. Attention, voilà Chanel. Ah non. 50 balles. Centimes. Je ne mettrai pas 50 balles. Donc, folie cosmétique, mesdames et mesdames, j'y suis allée donc, pour le truc. Donc, ce que j'aime beaucoup en ce moment, je vois, ce sont les serre-tête, alors que bah, je suis pas serre-tête, d'autant que je peux me les faire moi-même. Mais je sais pas, je suis pas serre-tête, j'ai trop joli. C'est sympathique hein, pour cet été. Attends, je prends le ticket. Bon, ils te font des tickets à rallonge. Ils sont couillants. Donc, alors, le machin, là, le bandeau, il est à 2 euros. Alors que je peux me le faire. J'ai tout le matos pour le faire, tout. Vous savez, je peux faire ce, tu sais, avec le fer, là. Et ceux-là, ils sont bien, parce que tu le... Du coup, hop, et puis après, tu te le fais toi-même ici, avec les bouts de fer dedans. C'est génial, ça. Oui, je sais, je me touche beaucoup les cheveux, mais c'est comme ça. J'avais une dame sur une vidéo que j'avais fait, ça lui avait pas plu. Qu'est-ce qu'elle m'avait mis, disons ? Parce que je me touchais les cheveux, c'est dingue. T'as des gens comme ça. J'avais supprimé le truc, quoi, tu vois, le commentaire. Je dis, oh, ça lui plaît pas. Je sais pas qui c'est qui miaule. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Alors, voilà, j'ai craqué.
Je me suis repris une bague pendentif. Parce que je n'ai plus de bague, moi, pendentif à faire. Parce que bon, celle-ci, c'est moi qui l'ai fait. Puis dessus, je rajoute ce que je veux. Là, tu vois, j'ai mis une croix. Sur l'autre, c'est le truc de mes enfants. Tout dépend de ce que j'ai envie, sur le moment où j'ai envie, je ne sais pas. Là, ben, je vais peut-être lui laisser ça. C'est un œil, mais les yeux ne me plaisent pas. Donc, je vais la détruire. Je vais la détruire et je vais rajouter, je sais pas, un petit cœur. La bague, elle fait 10 balles, les filles. Allez, c'est pas grave, la zaza, ça fait plaisir. Ah merde, j'ai oublié de vous montrer. J'ai pris des petites barrettes. Parce que l'été arrive et quand il fait très très chaud, j'ai tendance à beaucoup m'attacher. Les... Je sais pas ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as? Le pauvre, il me fait peine. Je m'attache beaucoup les cheveux. Et je me fais des petites coiffures à la con, tu vois. Et je me mets des bijoux dans les cheveux. Enfin bon, bref. Et là, ça fait un moment que je ne l'ai pas fait. Habituellement, ouais, j'ai. Tu sais, je me mets des trucs dans les cheveux. J'aime bien, je trouve ça joli. Puis comme vous me connaissez, j'aime bien ne pas être conforme à notre société de modernisme. Ce qui fait que quand je sors de la maison, j'ai fini, hein. Quand je sors de la maison, les gens me regardent. Je suis grande, pulpeuse, j'ai les cheveux violets, des trucs dans les. Voilà. Les bijoux assez un petit peu pas farfelus, bah encore là je suis soft. J'ai pas de bracelet par exemple. Et tu vois, les gens ils te regardent, donc bon, t'en as, voilà, qui te regardent avec insistance, mais je me dis dans ma tête, ils auront une discussion. Oh, mais tu sais, j'ai vu une femme, qui... j'ai vu une femme, oh, elle était rigolote, tu vois. Voilà, donc, et quelque part ça me fait sourire parce que sachez qu'on n'a qu'une seule vie. Ne vous en foutez du regard des autres. C'est des gens que vous ne reverrez plus jamais de votre vie. Qu'est-ce que ça peut faire de ce qu'ils pensent de vous, franchement? Qu'est-ce que ça peut faire? Vous voulez être droit dans la société, comme tout le monde. Il faut être un peu artiste quelque part, un peu à part, ou vivre sa vie, même si vous êtes dans la société. Vivez votre vie. Après, en ce qui concerne pour aller au boulot, au début, vous y allez soft, petit à petit, petit à petit. Vous mettez une extension et puis un bijou. Et puis... Voilà. On n'a qu'une vie. Je sais de quoi je parle. Je suis passée par des moments terribles au niveau santé. J'ai eu un déclic. Ça va faire maintenant 10 ans. Où je me dis, eh bien, tu n'as qu'une vie, ma chérie. Profite. Fais ce que tu veux. Quand tu veux. N'écoute pas le jugement des autres. Ne juge toi-même personne parce que tu n'en as pas le droit. Toi, tu es comme ça. Lui, il est comme ça. Point barre. On n'a pas à juger les gens. Ça, c'est. Ça aurait le don même de m'agacer. J'ai éduqué mes enfants comme ça. Mes enfants ne critiquent personne. Blanc, noir, vert, jaune, petit, grand, gros. Moi, mes enfants. Voilà. On s'en fout. Vis pour toi. C'est toi, c'est toi, pas les autres. Après, t'assumes. T'assumes ton choix de vie. Moi, je m'en fous. Je me dis dans ma tête, comme je le dis souvent, si cette personne, elle a été mauvaise avec toi, ou toi, tu ne comprends pas, hein, des fois tu te dis, merde, j'ai peut-être dit un truc qui ne va pas, toi, tu essayes de te remettre en question. Mais tu as des gens, ils ne se remettent pas en question. Eh bien, tu te dis, ben, peut-être qu'elle a passé une mauvaise journée. Peut-être que dans sa vie, elle n'est pas heureuse. Et puis bon, ben, malheureusement, ça tombe sur toi. Bon. Après, attention, on ne doit pas non plus se laisser faire. Je veux dire, il y a méchanceté et méchanceté. Si la personne est vraiment insultante et tout, on ne tend pas l'autre joue non plus, hein. Soyons honnêtes aussi. Voilà. Bon, mais moi, je vous le dis encore et encore. Vivez votre instant présent. Pas demain ni hier. Ceci étant dit, comme je le redis aussi, des fois c'est un peu compliqué parce que moi la première je me dis oulala, tu vois, mais j'essaye de me trouver une occupation pour vite penser à autre chose. Bref, ça a été un haul assez long, mais je vous avais dit, c'est plusieurs achats en même temps puisque maintenant j'ai un budget. Là il me reste pratiquement rien pour la semaine prochaine ou quoi. Donc bah, écoutez, je ferai autre chose en haul hein, si je trouve autre chose. Voilà les filles, bisous bisous. Et merci d'être là surtout. Merci.